Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une palette, un make-up, mais je vais vous expliquer ça après. Donc je vous remets la playlist en barre d'infos, on a déjà fait tout le tour de... C'est mon miroir que j'aime, non? Non, c'est l'étagère. Du tirage au sort de mes palettes, à part, hormis vraiment les nouvelles que j'ai testées en swatch and make-up. Mais du coup, je me suis dit, on va les faire par ordre alphabétique. Ou voilà. Pas par marque, parce que sinon, on reste tout le temps dans la même marque à chaque fois. Mais par ordre alphabétique, c'est pas mal. Ça varie un peu les marques et tout. Et voilà. Donc, dites-moi si l'idée vous plaît. Mais comme ça, on refait un round avec mes palettes, tout simplement. Les vidéos sont certainement un peu plus espacées. De toute façon, elles sont plus une fois par... elles sont plus que le lundi, puisque j'intègre aussi les... une palette 3 looks ou... comment ça s'appelle, les reproductions Instagram. Au départ, c'est ce que vous deviez avoir, mais j'ai eu la flemme. Vraiment une grosse flemme. Et j'avais envie de ressortir la première palette de la liste par ordre alphabétique, qui est donc pas une lettre, qui est un chiffre, c'est la 669. À l'endroit, c'est mieux. Et voilà, j'avais très envie. Par contre, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas utilisé, donc packaging tout caca. Hein. Faut que je passe un coup de rouleau pour les poils dessus. Et voilà, mon teint, je l'ai fait en réel, il est déjà sorti, je crois, ou je sais plus, enfin bref, vous l'aurez en réel sur Insta, et on admire quand même mon top que j'ai fait moi-même. Ça, vous verrez dans la vidéo bilan couture. Voilà. Bon, bah, je vais me rapprocher un petit peu, bien sûr, j'ai mon petit café, je me rapproche un petit peu, et on attaque. Alors, j'ai fait ma flemmard jusqu'au bout, j'ai même pas mis de base. Bon, tant pis. On va tester, tiens, si les fards, ils sont bien sans base. J'ai mis un petit peu mon fond de teint et mon anti-cerne par-dessus en faisant mon réel. Donc, écoutez, on va y aller comme ça, à l'arrache. Alors, je vais commencer. Je ne sais pas du tout par quoi. Je vais prendre un pinceau biseauté et la teinte Annabelle. Non, je vais prendre le mercredi parce que j'utilise toujours la Annabelle. Bon, forcément, on ne sera pas dans du super soft. Hein, mais donc, je vais prendre la teinte Mercredi, qui est un noir. C'est un noir. Normal. Je ne sais pas pourquoi j'insiste comme ça. Alors, je vais mettre ça en une espèce de thread liner externe. Donc, au pinceau biseauté, c'est plus net. Mais on va quand même l'estomper après. Donc j'intensifie au fur et à mesure parce que c'est des noirs qui sont bien pigmentés. Je dégrade doucement vers le coin interne. Ok. Je fais ici une petite ligne et je repars en pointe parce que j'ai envie. Mes explications sont toujours tellement claires. C'est fou ça quand même. Des fois je m'épate que vous arriviez à reproduire un tuto. Enfin, un make-up. Je vais pas dire le mot tuto. Voilà. On intensifie encore un peu. Parce que ça donne pour l'instant. Donc on fait pareil de l'autre côté. Ok, ok, ok. Alors, je vais prendre un tout petit pinceau plat pour bien intensifier la teinte. Finalement, je ne vais pas le dégrader, mais on va bien intensifier la teinte. Ok pour ça. Alors, je vais prendre un petit pinceau boule, assez petit. Et je vais prendre la teinte Pétula. J'ai envie d'aller dans le Porto. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Pour faire mon creux interne et mon radieux. Vous voyez quand même sans base, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Donc je tire un tout petit peu ici en dessous. Histoire que ça finisse pas net à la fin de l'œil. Je prépare un pinceau blanc. Et je vais prendre quand même un petit estompeur pour estomper le bord d'eau. Donc ici au-dessus et en racine. Et avec mon pinceau plat, je vais prendre la teinte Freya.
ici, donc c'est un duochrome 1, mais il est peut-être un peu fort. Attendez, hein, je regarde. Ouais, mais non, on va prendre la teinte Freya, c'est ce que j'ai envie. Voilà. Et là, je vais badigeonner partout sur mon œil et repasser sur le noir en même temps. Je vais monter jusque. Je vais mettre partout en fait. Donc je commence par ma paupière pour sceller un peu mon anti-cerne. Je passe sur le liner. Enfin, sur le fard noir. Vraiment partout, je déporte. Pas besoin d'être précis avec ce make-up. Et hop, tout ici. Pour un côté propre pour mettre en coin interne. Et ben voilà pour les fards. Je vais mettre du crayon du Bordeaux en muqueuse sur les lèvres aussi. Mascara, je vais certainement mettre un ou deux strass ici entre les deux. Et ce que je vais faire, je vais refaire un trait liner et encadrer ici l'extérieur de ma forme pour qu'elle soit un peu plus définie et que le noir ressorte un peu mieux. Et je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Et donc voilà le look final. Alors ça fait très vampé. Mamie qui ne sait pas faire des make-up de saison. Non, parce que il n'y a pas de saison. Pour le make-up, je fais ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Je m'en fous de la saison. Voilà. Donc, en muqueuse, j'ai mis le crayon Essence. Je ne sais pas lire latin. C'est une collection, c'est une ancienne collection de Noël. C'était Manon qui m'avait envoyé dans le swap vite placard. J'ai une chatouille. Hein. Et sur les lèvres, j'ai mis le NYX Copenhagen. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti. Depuis que j'ai le Santa Baby de Jeffree Star. J'ai hésité, hein. J'ai hésité, mais j'ai dit non. Mais celui-ci, il est un peu plus bordeaux et moins fuchsia. L'autre a plus de sous-ton fuchsia. Mais je l'aime tellement, ce rouge à lèvres. Voilà. Petit coup de café parce que je me dessèche. Alors, cette palette... je crois que vous avez compris que je l'aime toujours autant. Je vous mets toutes les vidéos et réelles que j'ai pu faire avec cette palette. J'en ai fait pas mal, je crois, quand même, il me semble. Bien sûr, vous aurez un réel demain. Non, ce soir pour vous. Non, demain. Oui, demain. Sur Insta. Voilà. Mais je pense que je vais partir dans les kakis quand même demain. Parce que je crois que je n'ai pas encore testé le kaki. Et ouais, comme quoi tout arrive. Mais ce bleu canard et ce bordeaux, là, je les aime tellement. C'est vrai que j'utilise toujours le noir et le gris pour faire une base. Et ensuite, je mets les lumineux. Mais demain, je pense que je vais quand même tester... je pense que je vais faire un make-up avec au moins ces trois-là. Voilà. Enfin, bref. Donc, vous verrez ça demain sur Instagram. Le lien est en barre d'infos si vous voulez me suivre. Donc, on continuera avec les lettres A. Hein, parce que par chiffre, j'en avais que une. Ensuite, on passera au B. Vous avez compris le principe. J'espère que ça vous plaît. Voilà, comme ça, pour ceux qui ont mes anciennes palettes aussi, que j'ai fait acheter ou pas, ben, vous avez d'autres idées de make-up avec. Et en plus, vous avez tout qui est réuni en barre d'infos, si j'oublie pas, de toutes les vidéos qui ont été faites avec la palette. Donc, comme ça, ça vous fait plein d'idées regroupées en une seule vidéo, en gros. Donc, ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie. On est de plus en plus nombreux et nombreuses et ça me touche vraiment beaucoup. N'oubliez pas que vous avez le petit bouton « Thanks ». Enfin, merci si vous voulez contribuer à mes futurs achats pour éviter que je dépense trop moi-même. Voilà, si vous voulez participer aux futures vidéos de la chaîne,
Vous avez cette fonctionnalité-là qui peut toujours m'aider pour mes futurs achats et des futurs crash tests, soit en full face ou juste une palette ou des choses comme ça, en matériel aussi bien évidemment, puisqu'un jour j'aimerais bien changer mon appareil, mais c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et voilà. Et ben du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.